Baba de Sumata, Zogi Gengolo, Nalo de Sumata, Babe Muti, Alada, Ezinyaliso, Baba ya. Returning in Bubendjida is emotionally very difficult because all the images of those hundreds of elephants killed always come back into our memory, and looking at their bones here remind everyone what happened, and we always feel powerless. This happened for so futile items. It seems crazy, so it's really hard to lose such a beautiful and magnificent animal for useless things. Ben là, on est à peine à 5 km du camp et on est sur la carcasse d'un gros mâle qui a été abattu l'an dernier en début du mois de février. Relativement début de cette razzia des cavaliers soudanais. Apporter une réponse de terrain est extrêmement difficile. Il y a un gros problème de moyens et de motivation aussi, il faut le dire. Ces gens-là sont puissamment armés, très bien organisés, très disciplinés, C'est vraiment une organisation de type militaire à laquelle on fait face. Alors, bien évidemment, si on a fait cette démarche de vouloir renforcer les formations des personnels, c'est pour répondre à une lacune. Actuellement, ces personnels ne bénéficient d'aucune formation appropriée à ce type de braconnage. Au mieux, on était aptes à répondre au petit braconnage de proximité. Cette nouvelle donne que j'ai évoquée tout à l'heure, avec la montée en puissance de la violence, exige de nos personnels de se comporter de manière de plus en plus professionnelle. Donc, sur le plan de la sécurité des individus, c'est essentiel. Sur le plan de l'efficacité de l'action, c'est essentiel. Donc, il est vraiment indispensable de repenser, non seulement pour nous, mais de manière générale, il faut absolument repenser tout le système de formation et l'adapter à la réalité de la menace d'aujourd'hui. Donc si on ne fait rien, la pression est de plus en plus importante, pression du braconnage ordinaire, pression de l'élevage transhumant, et tout ça ne permet pas d'imaginer à court terme la survie de ces poches de résistance de la faune sauvage. Donc si on ne fait pas quelque chose très rapidement, c'en est fini. So we are back today to train village guards and eco guards in anti-poaching skills. Let's go and meet our trainers. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce que vous enseignez aujourd'hui aux participants? Là, ce matin, en fait, Michael a pris les gars. Hein, il est en train de leur faire une synthèse sur ce qu'ils ont vu en matière de corps à corps. Là, on attrape, là, on bascule, on fait basculer sur le côté. Qui tombe, on profite, on récupère le bras en même temps. On tombe, on bascule là, voilà. Donc essayer d'immobiliser les braconniers, ou si un braconnier nous attrape, se dégager et l'immobiliser. Donc tout ce qui est réaction au feu, si jamais ils sont pris à partie par des braconniers. Et ensuite on a commencé à aborder un peu les missions simples, tout ce qui est embuscade et contrôle routier. Avant, on a l'aura, on. Soulevez vos têtes.
On a découvert beaucoup de choses, que tous les soirs on discute entre nous, que si ça a été bien avant, on devrait quand même s'échapper à beaucoup de conséquences qu'on a eu à vivre sur le terrain. Donc en gros, vraiment, on a appris beaucoup de choses quand même. Savoir progresser sur le terrain, se déplacer, se camoufler, se poser, utiliser son arme, observer. Et aussi la partie les premiers soins. Les premiers soins à administrer peut-être un collègue qui s'est blessé, qui s'est fait tirer dessus, qui s'est fracturé concernant les hémorragies. Parce que souvent, on a souvent des blessés, on ne sait pas quel type d'hémorragie il s'agit pour pouvoir adopter les premiers soins et plus tard amener dans le centre hospitalier. Là, à l'heure actuelle, on a fait déjà deux vagues de 20 personnes, donc on est à 40. Sur les 40, on compte récupérer au moins entre 20 et 25 personnes pour passer à un stade supérieur, on va dire, où on va rentrer plus en approfondie dans la topographie, les premiers soins, le corps à corps, les techniques de lutte anti-braconnage pur. À l'heure actuelle, il y a leur motivation. La première, je crois que c'est leur bon vouloir, puisqu'ils n'y ont que ça, parce que malheureusement, le gouvernement ne suit pas du tout à l'heure actuelle les efforts qui sont faits par les ONG. Et on se retrouve face à des personnes armées. Et à l'heure actuelle, les villageois se défendent avec des bâtons. Donc la dotation d'AIFO, normalement, arrive ces jours-ci. On va percevoir des bâches, des tentes, des moyens de communication, des chaussures, des trousses de secours de premiers soins. Donc la première difficulté, on va dire que c'est la langue. Et le deuxième défi, c'est d'arriver à lutter avec de très petits moyens contre de gros moyens. Et là, ça devient quand même très difficile. Then we crossed the border to go to Senaoura, which is the cross-border park in Chad. The aim to have two trainings set at the same time is to have eco guards trained the same way and being able in the future to do mixed patrols. And Senaoura National Park has been established in 2010, so it's a very recent park and there is very little structure. The eco guards are very few, only 13. So it's really insufficient to really secure the park. The training we are delivering now is just a start to push the government to continue to have a look on that area, which is an open door for poachers. Les problèmes de frontières seront réglés, quoi. D'accord. Bonjour Claude. Bonjour Céline. Alors, comment s'est passée votre première semaine de formation? Alors, elle a été difficile parce qu'on n'avait aucun moyen. Donc, il a fallu tout construire, aussi bien les tableaux, faire venir le matériel. On a démarré avec rien, quoi. Il suffit de regarder notre environnement pour s'apercevoir qu'on est arrivé sur une terre nue, quoi. Alors, il y a une formation qu'on va appeler paramilitaire. Oui. Alors, une partie orientation, parce que les gens ont besoin de savoir se situer dans le parc, eux-mêmes et éventuellement les animaux qu'ils vont rencontrer, puisqu'ils seront appelés à faire du suivi écologique. Oui. Donc, une grosse part topographique. C'est pour ça qu'actuellement se déroule un cours d'utilisation du GPS et de la boussole. À quel type de braconnage peuvent-ils faire face dans le parc de Senaoura? Alors, le petit braconnage local où les gens braconnent pour manger, qui sont des braconniers. Et puis ensuite, on a le plus gros braconnage où là, on a l'éléphant, l'élan derby, avec. Là, c'est du braconnage qui est télécommandé, qui est organisé, puisqu'ils sont bien armés, ils savent utiliser les armes. Donc, par rapport aux gardes, c'est sûr que pour l'instant, on ne va pas chercher le conflit dans la mesure où les gardes ne sont pas du tout expérimentés, ils n'ont pas encore terminé la formation. On a des soucis d'armes, donc on n'a pas l'armement pour leur montrer ce qui se passe, pour leur expliquer les mesures de sécurité, pour leur apprendre à tirer, pour leur apprendre à se défendre, toujours dans le cadre de la légitime défense. Mais voilà, donc pour l'instant, pour la part des gardes, faire la part des choses entre le braconnage, les gens qui sont des éleveurs, les gens qui sont des villageois. Donc trois types vraiment de choses différentes. D'accord.
We really hope what we are setting now will enable the eco guards and also the conservator, as well as the village guards, to better secure the park, and that in the future the conservator will get more staff and also more means. Last month, a new slaughter of elephants happened, and that demonstrates that so far the problem is not addressed, that the poachers riding horseback are still around, and the governments of both sides, Cameroon and Chad, really need now to take that situation seriously. And more than that, we also need to now gather and collect information about those gangs and try to track where the ivory goes. Thank you for supporting our efforts. Without your ongoing support, the elephants of the region might disappear.